Kate Middleton assiste au RHS Chelsea Flower Show, le lundi 22 mai dernier. La princesse de Galles s'est assise aux côtés des enfants et a pris le temps de discuter. Kate Middleton donne un détail adorable sur la vie du prince Louis. Le lundi 22 mai dernier, Kate Middleton s'est jointe aux enfants dans le cadre du RHS Chelsea Flower Show. L'événement, organisé par la Royal Horticultural Society, est un rendez-vous incontournable qui se tient annuellement en mai et qui dure 5 jours. The Sun rappelle que la reine Elisabeth II d'Angleterre elle-même était venue 50 fois assister au Chelsea Flower Show pendant ses 70 ans de règne. D'autant plus que depuis 1952, elle en est la marraine. Kate Middleton, la princesse de Galles, ne pouvait manquer ce rendez-vous important où les enfants l'attendaient avec impatience. D'ailleurs, l'épouse du prince William ne parle que très rarement du prince Louis, ou de ses deux autres enfants aussi d'ailleurs, cette fois-ci, elle dévoile un petit détail aux enfants. Lors de cet après-midi au jardin de l'exposition florale de Chelsea, la maman de 41 ans, a pris le temps de discuter avec des groupes d'écoliers. Ces derniers ont eu l'occasion de poser des questions à leur future reine. Rappelons que les écoliers sont venus de tout Londres, comme l'indique le Sun. Et selon le tabloïd britannique, ils ont dégusté des pommes et des sandwichs pour leur déjeuner. Ils ont eu également l'honneur de voir s'asseoir sur leur nappe la princesse de Galles, mère du prince George, 9 ans, de la princesse Charlotte, 8 ans, et du prince Louis, 5 ans. Kate Middleton, la princesse de Galles laisse un message lourd de sens aux enfants alors qu'elle discute joyeusement avec des écoliers qui ont sûrement le même âge que ses enfants. Kate Middleton leur donne un aperçu de la vie de son plus jeune fils à l'école. Louis fait pousser des fèves à l'école, raconte Kate Middleton. Un enfant a aussi interrogé l'épouse du prince William sur ce qu'est la vie royale. La princesse de Galles a donné une réponse on ne peut plus lourde de sens aux enfants en disant, « Il faut travailler dur. » À propos de l'auteur introverti et passionné de l'écriture, « J'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. » Ses derniers articles Une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Step up.